m'appelle Lolita. Ou bien Lola, tu parais au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là un fou rire aussi. Faut qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. Loup de ville au haut, sans mot diluvienne. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout près à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, Hello Elite, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Quand les gènes n'ont pas plein de méthylène, moi je m'appelle Lolita. Coléreuse et pas mi-coton, mi-laine. Oh, tu sais, Pouchkine, t'y vas. À maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de ville au haut, ça m'en diluvienne. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout près à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, Hello Elite, moi Lolita, 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 Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout près se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, Hello Elite, moi Lolita, moi Lolita, moi Lolita, moi Lolita. Salut, je m'appelle Flavie Léa, je viens de Suisse et je chante. Pourquoi t'as commencé ? Le fait de d'écrire, c'est venu naturellement parce que c'est un peu comme une thérapie de dire ce que j'ai sur le cœur. Il y avait un moment dans ma vie où j'arrivais pas à l'exprimer autrement et du coup ça m'a beaucoup aidée. J'avais commencé par chanter plus en anglais et finalement avec le temps je me suis rendu compte que le français ça me convenait mieux, c'était plus authentique. Alors en français, Jean-Jacques Goldman, Stromae, j'aimais beaucoup Jennifer. Et puis sinon en anglais, il y a aussi Ed Sheeran. J'aime beaucoup comment il écrit, il compose. Pink ou Elton John. Donc en fait, j'aime beaucoup les artistes qui composent leur musique, qui écrivent. Ça s'arrête. Oui, j'en ai fait pas mal, surtout en Suisse. J'ai fait pas mal de festivals. J'ai eu la chance de pouvoir jouer dans les gares en Suisse. Et ça, c'était une super expérience parce que du coup, on apprend à jouer en étant déconcentré tout le temps. Et en France, j'en ai pas eu beaucoup, mais là, je vais chanter à la foire de Marseille. Donc, je me réjouis. Ça fait boum, bye. Ça fait boum boum. Franchement, j'ai eu de la chance parce que grâce aux réseaux sociaux en Suisse, on m'a souvent contactée pour les concerts. Après, justement, pour la France, j'ai regardé et j'étais un peu perdue. Et c'est là que je pense que Smart Music Tour peut peut-être m'aider. J'ai fait des recherches sur Google, j'ai regardé. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout de s'y retrouver. Ça va m'aider à trouver des lieux qui conviennent et je vais pas perdre du temps avec des endroits où ma musique conviendrait pas en fait. Si tu pouvais être n'importe quelle musicienne, laquelle serais-tu ? Alors, il y a quelques années, j'aurais répondu tout de suite Rihanna. Je pense qu'il faut être content avec qui on est, être bien avec qui on est. Du coup, je réfléchis plus trop à qui est-ce que j'aimerais être d'autre. Tu préfères faire une Chaim ou une Kravitz ? Ok, je préfère faire une Chaim. Honnêtement, je préfère me casser la gueule. Pote, copine de Aya Nakamura,
parce que bah, forcément, comme tout le monde, j'ai dansé dessus avec mes copines. On a bien rigolé sur cette chanson. Festival. Je dirais Macklemore. I'm gonna pop some cash. $20 in my pocket. C'était sous la pluie et c'était un concert incroyable. Famille. Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Parce que quand on partait en vacances avec ma famille, on écoutait l'album de Francis Cabrel en boucle dans la voiture. Du coup, pour la suite, j'ai travaillé sur des nouvelles maquettes, des nouvelles chansons. Et puis j'espère que je pourrai les partager tout bientôt avec tout le monde. Je suis vraiment fière de ces chansons. Je pense que c'est celle dont je suis le plus fière. Je me réjouis de pouvoir les faire écouter. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci à Smart Music Tour. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, c'est Flavie Léa. Et tous les dimanches pour des reprises. Bisous. Suis-moi, je te suis, moi.